comment s'est passée ta mission? Mon Dieu ne demande pas le commandement de sa troupe pour combattre le cancer. Il m'a dit que son sort se porte sur moi à cause de mon courage et de ma qualité athlétique. Une telle responsabilité n'est pas sans conséquence. Je sais bien. C'est pourquoi j'ai demandé la permission de revenir à Charles. Tu as bien fait. Nous suivrons la voie des anciens. Nous consulterons les esprits. Où est le désir que je t'ai donné avant ton départ? Le voici, mais. C'est bien. Dagné ne te sépare jamais de lui. Quand que tu le porteras, tu ne seras jamais loin de moi. Merci, mais. Esprit de nos ancêtres. Il faut frapper les morts pour faire peur aux vivants. Force invisible, diable, sorcier, esprit des ancêtres, je vous invoque par vos noms sacrés. Bonjour. Bonjour, Baron. Et que me vaut l'honneur de cette visite? Comme vous, je suis la trace des anciens. Une mission est confiée à mon fils. Aidez-nous. Baron, tu es la seule femme autorisée à venir sur ce lieu sacré à cause de tes connaissances occultes. Nous n'avons absolument rien à te refuser. Alors, que veut ton fils? Je suis là pour invoquer les esprits, afin que je puisse vaincre le Karta. Oh, esprit de mes ancêtres! Ouvrez le chemin entre ce monde et celui des esprits! Oh, esprit de nos ancêtres, pourvoyeur de puissance, de richesse, de troupeaux ou d'enfants si on obtient vos faveurs. Oh, fétis sacré de Saro, destructeur de récoltes de villages par l'incendie de gens et de bêtes par l'épidémie si l'on transgresse vos interdits. Thank you.
que Charosalfi ira combattre les Carthas. Il retournera ici sain et sauf, que l'eau garde sa couleur, sinon qu'elle change de couleur. Que Saro Salif ira combattre le Karta et ne reviendra pas ici. Sain et sauf, alors que l'eau change de couleur. Baro, ton fils est en danger. Il mourra au combat quand il ira au Karta. Que pouvez-vous faire pour empêcher cette prédiction? Rien. Qu'il refuse la mission, sinon la prédiction s'accomplira. Sauf s'il accepte le sacrifice suprême. J'accepte le sacrifice suprême. Car vous savez tous que revenir sur sa parole donnée, c'est s'y renier et vivre dans la honte et le déshonneur. Alors, tu verseras tout ton sang sur ce fétiche pour être sous sa protection. Mais s'il verse tout son sang sur le fétiche, il mourra? C'est juste qu'il donne alors le sang d'un de ses enfants. Absolument. Sa vie en échange de celle d'un de ses enfants.
s'il est vrai que je n'ai connu aucun autre homme que toi, que tu me reviennes ici sain et sauf. Si c'est vrai que j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé, que tu me reviennes ici sain et sauf. Tiens. Il est aussi bien à toi qu'à moi. Si tu reviens, nous pourrions en faire deux. Des ancêtres. Esprit des ancêtres. Nous avons proposé à Sao Salif l'épreuve du sacrifice suprême afin qu'il revienne sain et sauf de la bataille contre le Karta. Acceptez donc cet enfant en offrande afin que Sao Salif revienne sain et sauf. Attendez. Baron. Tu es la seule femme autorisée à venir dans ce lieu sacré à cause de tes connaissances occultes. Ça ne te donne pas le droit de rompre la cérémonie de sacrifice. J'ai une raison pour le faire. Ah bon? Laquelle? J'ai une autre solution. Tenez, le cordon ombilical de Sao Salif. Il remplacera valablement l'enfant. C'est ce qu'on va voir. Je vais le poser à la place de l'enfant. Ciao. C'est comme si vous avez le temps de vous réputation de pas le savoir. Merci. Non, de gardien de la tradition. Mes connaissances sont minimes par rapport à vos immenses savoirs. Je te dois de l'argent, mais je ne te paierai plus rien. On verra bien.
tu paieras ma tête d'une manière ou d'une autre, malhonnête que tu es. Regarde-moi ça. Abby, payer cette dette est une obligation. Mais tout cela est de ma faute. Comment cela? Je suis ton mari. Je te dois aide et protection. Mais je n'arrive plus à subvenir à tes besoins. Gassama, je connais bien les fondements du mariage. Nous sommes liés pour le meilleur et pour le pire. Merci pour ton soutien. Peu de couples le savent. Aux premières difficultés financières, c'est la rupture. Le mariage se fonde sur la confiance, le respect et la protection mutuelle. Les considérations financières doivent être secondaires. Jamais de la vie je ne t'abandonnerai. Nos difficultés ne sont que passagères. Et nous trouverons bien le moyen de payer toutes nos dettes. Il est vivant. Merci. Mais où est mon mari? Ils font le sacrifice avec son cordon ombilical. Son cordon ombilical a évité la mort à mon enfant? Tu comprends maintenant? Pourquoi je te demande de garder jalousement le cordon ombilical de tes enfants? Vraiment, merci. C'est à moi de te remercier. Tu as voulu sacrifier ton fils pour sauver le mien. Les gardiens des fétiches sacrés réclamaient le sacrifice d'un de ses enfants pour qu'il retourne ici en vie. Eh, je n'avais pas le choix. J'espère que ton sacrifice servira à quelque chose. Je suis certaine qu'il nous reviendra ici, sans vie et sans vie. C'est un geste pour secourir ton mari. Tu fais la grandeur, la noblesse de la croyance de ce que tu es contre. Je vous écoute. Mon contact dit du bien de vous. Il soutient que vous êtes le plus grand féticheur de la contrée. Vous avez frappé à la bonne porte. C'est à la forge qu'on travaille le fer. Mon mari et moi, nous souffrons d'une pauvreté extrême. On a fait le tour de tous les guérisseurs en vain. Nous commençons à perdre espoir. Et je lui fais totalement confiance. Certes, elle est ton épouse. Mais cela ne doit pas lui donner le droit de connaître tes secrets. Et pourquoi? Chez nous, être un homme, c'est savoir garder les secrets. Ce n'est pas bon qu'une femme sache tous les petits secrets d'un homme. Je respecte votre point de vue. Mais cela n'est pas l'objet de notre visite. S'il vous plaît, aidez-nous. Un homme averti en vos dés, ceci dit. Cherchons d'abord les causes de votre pauvreté extrême.
Esprit de mes ancêtres, guidez mes doigts vers le chemin de la vérité. La vérité est sur le sable devant vous. Je vous en prie, dites-moi. Et pourtant, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire en public. Il n'y a que mon épouse ici. Je ne lui cache rien. Parle. La cause de votre pauvreté, c'est toi. Comment? Tu n'as plus aucune chance dans la vie. Tu seras de plus en plus pauvre. Le peu de bien que vous gagnez maintenant est dû à la chance de ton épouse. Vous êtes maître en sciences occultes et en plantes. S'il vous plaît, aidez-moi, Maga. Ton cas est critique. De ma vie de féticheur, je n'ai jamais vu une situation aussi désespérée. Je n'ai pas le droit de mentir. Je ne peux rien pour toi. À présent, je suis édifiée sur la nature de la pauvreté dont mon mari est victime. Merci beaucoup. Monsieur, dis-moi, pourquoi ne veux-tu pas faire la paix avec ma copine Sunkura, ta couille-épouse? Je ne suis pas en guerre contre elle. Je vais la mettre seulement à sa place. Elle est ta couille-épouse, mais si elle donne son enfant à son mari, où est ton problème? Je suis la première épouse de Charo Salifou. Si quelqu'un devrait donner son enfant, c'était à moi de le faire. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que mes enfants sont les fruits de mon amour. En aucun cas, je ne vais accepter de les sacrifier pour satisfaire les désirs des gardiens des fétiches sacrés. Ce n'était pas pour satisfaire un désir quelconque. C'était pour sauver son mari. Une femme qui ne se reproche rien peut rendre invulnérable son mari et le sauver sans sacrifier ses enfants. Et comment? En disant simplement, s'il est vrai que je ne connais aucun autre homme que toi, que tu me reviennes ici sain et sauf. Par ces mots, le mari devenait invulnérable. Elle a prononcé ces mots devant toi à Charo Salifou. Mais
Il insistait pour avoir l'enfant. Alors elle a cédé. Sungura ne t'a pas dit la vérité. Quelle vérité? Celle qu'elle cache à tout le monde. Et que cache-t-elle à tout le monde? Si elle a accepté de donner son enfant, c'est parce qu'elle sait qu'il n'est pas de son mari. Tu sais très bien que son enfant est bien le fils de Charou Salifou. Mais c'est ta jalousie maladive qui te fait dire des bêtises. De nos jours, les bâtards submergent par leur nombre les enfants légitimes à cause des femmes infidèles comme elles qui apportent dans leur foyer les enfants d'autrui. C'est connu que l'on a troubé à autrui nos sales caractères. Tu n'es pas ma co-épouse. Pourquoi te mêles-tu de ceux qui ne te regardent pas? Je suis son amie, sa confidente. Donc, nous partageons tout. Bravo. Tu viens de confirmer ce que les gens murmurent à ton absence. Et que murmure-t-on à mon absence? Que tu fais les yeux doux à Charo Salif. Tu cherches à draguer notre mari. J'ai un époux. Pour quelle raison vais-je chercher une relation amoureuse avec le mari de mon amie et confidente? Parce qu'elle est naïve ou est complice? Je viens d'avoir la preuve que ta jalousie t'envers la folie. Ma chère, entre nous, dis-moi la vérité. Je ne dirai rien à personne. Tu es folle. Hey, folle ou pas, cesse de tourner autour de mon mari. Sinon, tu sauras de quel bois je me chauffe. La seule manière de contrôler une folle, c'est d'être plus folle qu'elle. Oui, j'ai une relation intime cachée avec ton mari. Et alors? Voleuse de mari. Enfin, tu avoues ton forfait? Oui, j'avoue ce que tu veux entendre. Je suis l'amante de ton mari. Alors, attends-toi aux conséquences. Je vais me plaindre à ton mari. Va te plaindre où tu veux. Penses-tu que mon époux a le temps d'écouter tes balivernes? Je ferais mieux de partir au lieu de perdre mon temps avec une folle. C'est mieux pour toi, sauve-toi. Hypocrite, tu ne peux plus nier. Bonjour, Charo Salifou. Kangou, d'où viens-tu? Je te cherchais. Menteuse, ici n'est pas chez moi. Dis plutôt que tu te balades. Ta femme Soudje est malade. Ah bon? Ne joue pas à l'ignorant. Tu sais très bien que sa jalousie est maladive. Kangou, dis-moi, qui d'entre nous n'a pas un petit défaut? Non, la folie n'est pas un défaut. C'est une maladie. Va soigner ta femme. Pourquoi affirmes-tu qu'elle est folle? La voilà là-bas. Parce qu'elle m'accuse d'entretenir une relation amoureuse avec toi. Elle sait que tu ne peux pas faire une telle chose, car tu es l'ami intime à ma femme Sunkura. Elle l'ignore ou fait semblant d'ignorer ces détails. Et ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Elle affirme que de nos jours, les bâtards submergent par leur nombre les enfants légitimes à cause des femmes infidèles comme Sunkura, qui apportent dans leur foyer les enfants d'autrui. Quel est l'enfant de Sunkura qui n'est pas le mien aussi? Elle dit que si Sunkura a accepté de donner son enfant pour les sacrifices, c'est parce qu'elle sait très bien qu'il n'est pas de toi. Ne dis plus un mot. Ce sujet est grave. Rentre à la maison. Je vais régler sur le champ cette affaire avec elle. Pourquoi tu n'arrêtes pas d'agresser les gens? Je n'agresse personne. Je mets seulement les gens à leur place. Dire que l'ami intime de ta co-épouse cherche une relation amoureuse avec moi n'est pas vrai. Mon cher époux, ne te fatigue pas. Tu es démasqué. Ta complice vient tout juste d'avouer. D'avouer quoi? Que tu es son amant. Ouvre les yeux. Ne vois-tu pas qu'elle se marre de toi? Tu te donnes un spectacle. Ah bon? Avant de me traiter d'idiote, comment tu te retrouves comme par hasard avec elle ici en brousse? Elle m'a tout simplement rencontré sur le chemin.
Dis plutôt sur le chemin d'un rendez-vous galant. Tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour. Pourquoi dis-tu aussi que l'enfant de Sunkura n'est pas le mien? Vraiment, ta jalousie maladive est une folie qui te fait dire des bêtises. Je ne dis pas des bêtises. Tout le monde sait que de nos jours, les bâtards submergent par leur nombre les enfants légitimes à cause des femmes infidèles comme elle. Je te connais, Moussoudje. Ne prends pas tes désirs pour la réalité. Que les esprits te donnent la force d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Mon cher époux, tu caches bien ton jeu. Une chose est certaine, tôt ou tard, la vérité triomphera. Tu as raison. Et ce jour, tu comprendras que vivre en paix avec les autres est la seule chose qui nous apporte le vrai bonheur. Nul ne peut vivre en paix sans avoir la conscience tranquille. Tu as raison. Ne tarde pas trop, sinon je penserais que c'est un rendez-vous intime qui est la cause de ton retard. Bonjour, Monsieur Jay. Bonjour, Malouba. À croire que tous les acteurs de cette grande farce se sont donnés rendez-vous ici aujourd'hui? Yé, quelle grande farce! Celle qui consiste à tromper tout le monde et à jouer à l'innocent. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Ah, c'est normal. Car le cocu est toujours le dernier à savoir que sa femme le trompe. Ah bon? Qui est cocu? Toi. Mais pourquoi dis-tu cela? C'est ta femme, Kankou. Elle vient de me cracher à la figure qu'elle a une relation amoureuse cachée avec mon mari. Kankou ne peut pas dire une telle chose. Je jure sur les fétiches sacrés de Ségou que c'est la vérité. Elle a... Ne dis plus un mot. Je te crois. Car nul ne peut mentir et jurer sur les fétiches sacrés de Ségou. Les conséquences seront terribles pour lui. Je sais. Les fétiches sacrés sont impitoyables avec les menteurs. La vérité est qu'elle m'a avoué son forfait avec arrogance. L'adultère est une violation du devoir de fidélité entre les époux. Pourquoi Kankou me trompe avec un autre homme? Elle ne doit pas te tromper et du coup te déshonorer. Le vrai fautif, c'est Charo Salifou. En aucun cas, il ne devait toucher à la femme d'autrui. C'est ce que j'ai dit à Charo Salifou. Il s'est moqué de moi et est parti vers cette direction. Je vais t'affronter dans un duel mortel. Car le jour de la mort, il n'y a point d'espoir pour la vie. Marouba, pourquoi dis-tu une telle chose? Parce que le plus grand affront que tu puisses faire à un Bamana, c'est lui prendre sa femme. Qui a enlevé la femme d'un Bamana? Charo Salifou, ne joue pas à l'innocent. Ça ne marche pas avec moi. Pourquoi es-tu si audacieux? Ne sais-tu pas que l'adultère est répréhensible? Je ne fais jamais d'adultère. Je suis le corps d'honneur des chasseurs. Et toi, tu le sais très bien. Je respecte contre un sané. Alors, pourquoi ta femme a juré sur les fétiches sacrés de Ségou que ma femme Kankou a juré que vous êtes amant? C'est peut-être pour provoquer et rendre furieuse ma femme qui a une jalousie maladive. Tu as certainement raison. Car comme moi, tu suis le corps d'honneur des chasseurs. Tu ne peux donc pas avoir une relation amoureuse avec la femme d'autrui. Ma femme Moussoudje est très jalouse. Sa jalousie m'amuse et me rend nostalgique si je voyage. C'est pourquoi je suis toujours pressé de rentrer à Charo. Tiens, je vais demain à Ségou. Ah bon? Bonne chance pour ton voyage à Ségou. Merci Marouba. Au revoir. Au revoir. Thank you.
est une étrangère. La mort, quand elle te rend visite, ton nom change et devient le défunt. C'est la pure vérité qui sort de ta bouche, griotte de charme. La mort est à la fois injuste, amère et cruelle. Yesine ngoloni mangala ngolo juru kasmaya misimo sokora sigile waraba golo kasaya haye munaye saya haye dimie. La mort est une étrangère furtive, silencieuse et assassine. La mort, quand elle te rend visite, le nom de ta femme change. Elle devient la veuve éplorée, privée de la protection, de l'amour et de la tendresse de son conjoint. Iyesine ngoloni mangala goloho juru gasmaya falimo sokora sigile suruku golo kasaya haye mune saya haye dimie. La mort est une étrangère. La mort, quand elle te rend visite, les noms de tes enfants changent. Ils sont appelés des orphelins. Oh, grand roi, la mort est ta mère. Surtout celle qui frappera le Karta. Bienvenue à Ségou, Charo Salifou.